La Banque mondiale apportera son appui financier dans les études de faisabilité du visa touristique que le ministère du Tourisme et de l'Environnement mettra en application dans 6 mois. Reçu en audience ce mercredi 20 février par Arlette Soudan-Nono, ministre de tutelle, la représentante de la Banque mondiale, Korotumu Ouattara, l'a confirmé au sortir de cet entretien. Les discussions entre les deux personnalités ont aussi porté sur les activités prévues dans le cadre de l'appui de la Banque mondiale au ministère sur les aspects touristiques et environnementaux. Korotumu Ouattara a salué les efforts du Congo dans le développement de l'écotouristique, un secteur que le gouvernement a inscrit dans le plan national de développement PND 2018-2022.